vous êtes 50 000 en gare de Nanterre Université, on va peut-être faire une petite visite. Elle va à Paris-Saint-Lazare. Elle part à 11h01. Donc je vais vous montrer un peu le train. Hop. Très spacieux, très grand. Je kiffe ce train, vraiment. Vraiment, les bombardiers, c'est les meilleurs trains. Hop. Regardez, il est bien grand, il est sublime et tout. C'est ça que je kiffe. Voilà, hop. Plus en IDFM, elles sont pas mal. J'aime bien la livrée. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Transilien. Je le kiffe, quand même. Mais il est bien long. C'est bien qu'on peut se déplacer dans tous les... Il y a 50 000 de là-bas qui part. Qui va à Saint-Lazare et moi je vais à la carrière. C'est vraiment un... moi j'aime bien le train. Faire un tour entier, il est grand, il est spacieux le train. Dommage qu'on ait pas ça sur les RER A. Hop, on est là, je fais un tour complet. Avec les LED bleues comme ça, les lumières bleues. Dans le train, il est confortable. Franchement, il est bien grand. Il est bien climatisé. Rien à dire dessus, il est nickel. Faudrait qu'il soit un peu plus rapide, mais après, voilà. Ouais, le mec. Et hop. Putain, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces trains. Regardez comment c'est, ils sont grands. Voilà la longueur du train, vous voyez. Hein. Énorme. Et il va à Saint-Lazare. Voilà. Que dire de ce train, c'est une dinguerie. Du coup les gars, on va faire un tour là juste après, je vais aller à la gare de Houilly et après peut-être le Transilien J, peut-être on verra. Donc voilà, j'espère que cette petite visite elle vous aura plu et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.